Et un petit chocobo! Désolé, il y a eu une. Alors j'ai cru que c'est mon PC qui surchauffait. C'est bon, vous m'entendez déjà avant que j'explique. Non, c'est pas mon PC, Yos. J'ai cru que c'est mon PC qui allait surchauffer, mais c'est pas ça. Et de toute façon, il était pas chaud, alors je comprenais pas. Et puis j'ai vu que mon. Ma multiprise, elle était pas allumée non plus. J'ai allé tester les lampes et il y a rien qui fonctionnait donc. Pur courant dans le bâtiment. Mais par contre, ça a redémarré assez vite. Bon, ça va, ça a sauvegardé. Bon, pas exactement en été, mais un petit peu avant, mais ça a sauvegardé. Alors, de toute façon, je pense que c'est automatique. Mais ouais, coupure de courant. Mais je crois qu'il y a eu la même chose hier, mais j'étais pas chez moi. T'sais, j'étais au contrôle technique, mais quand je suis revenue, mon PC était éteint. J'ai cru que c'était Luna, mais peut-être pas. Il y a peut-être des coupures de courant. Il y a peut-être. Après, ça pourrait être à cause de l'orage, mais il n'y a pas d'orage du tout là. Il y a grand soleil. S'il y avait de l'orage, je me serais dit bon bah. Mais là, c'est bizarre quand même. Attendez, hein, parce que du coup, je relance tout. Mettre un petit Evry One pour que les gens pensent à remettre leur Ninja. Ça, c'est parce qu'on est en train de percer à jour le gouvernement. Du coup, ils se sont dit, putain, coupe, obligé, le gouvernement met des bâtons dans les roues. Alors, je suis quand même contente d'avoir Twitch sur le téléphone quand c'est comme ça parce que... Pour vous dire, ne vous inquiétez pas, je reviens. Faites un petit F5 au cas où vous ayez un peu de retard, voilà. Bon, on va refaire les blablas. Ils m'ont relâché. Ah bah ça aurait pu, hein, vu que t'avais de l'orage, ouais, ça aurait pu être toi. Du coup, faut que je reprenne la liste. On a leurs besoins et il faut qu'on rouvre ça. Non, c'est pas ça. C'est le disque dur. Mais au début, j'ai vraiment cru que c'était mon PC parce qu'il faisait chaud. Mais sur First Descendant, ça m'aurait pas choqué, mais là, je me suis dit. Puis j'ai touché mon PC, je fais bah non, ça va. Bon, il est pas froid, mais il est pas. Il y a eu bien pire, hein. Ah purée, hein. Donnez le nom censure. Attends. On en était à là, je crois, à peu près, hein, un peu après. Bon, ce sera des coupures bizarres sur YouTube. Enfin, et sur Twitch. Alors, je vais pas pouvoir mettre les rediff YouTube tout de suite, je pense pas. Bah, je pars. Mais pour voir la rediff, ça sera sur Twitch. Mais du coup, bah, voilà, il y aura deux parties. Faut pas attendre la sortie sur YouTube. Ah c'est ça, on a dit qu'est-ce que ça veut dire et ça a coupé. C'était une information trop importante. Ouais, normalement ils sont en vie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avant que vous me coupiez l'herbe sous le pied. J'espère que s'il est vraiment en vie, ouais, il sait pas que sa femme et son enfant sont morts. Monsieur, nous avons remarqué que vous utilisez votre numéro de badge en guise de mot de passe.
Reconnaissons que cela est pratique, mais afin d'éviter tout problème de sécurité, nous vous encourageons vivement à choisir un autre mot de passe. Bien que votre mot de passe ait plus de 4 caractères, il n'est pas suffisamment sécurisé. Veuillez choisir dès que possible un nouveau mot de passe. Merci pour votre attention. Donc, il faut le badge de Jenkins. Voilà, c'était cimetière. C'était cimetière, c'était corps 1, c'était badge. Donc, le mot de passe... Ce serait ça. C'est simple pour une fois. Ok, pour une fois c'est simple. Ah les personnes âgées. Allez bien. J'avais perdu ton live. Ouais, désolé, j'ai eu une coupure de courant dans le bâtiment, ça a coupé. Il y a eu une coupure de courant pile au moment où on avait allait avoir une information sur le gouvernement, tu vois. Tout est lié. Ouais, mais même si c'est volé son badge, faut deviner que il faut mettre ça comme mot de passe. Un mot de passe avec autant de chiffres. Pourquoi aller? Merci beaucoup pour Ninja. Merci à toi. Une information, une adresse, n'importe quoi. Synthèse. Connie Moore. Connie a été repérée par l'équipe d'ensevelissement près du site et a été appréhendée vers un 1-1. Elle servira de sujet pour le prototype version 6 qui devrait arriver au labo demain. Implanter l'enlèvement et l'interrogatoire par des extraterrestres. Ah, elle a pas été enlevée par des extraterrestres ni interrogée par des extraterrestres. Ils l'ont mis dans le cerveau. Retirer les souvenirs de la découverte du site d'enfouissement lors de sa randonnée. Ah, elle avait remarqué. En fait, elle a été emmenée parce qu'elle avait remarqué le cimetière, apparemment. Elle a dû remarquer le cimetière. Apparemment. Si j'ai bien compris. Sa mémoire des événements, non. Alors. Donc ça c'est avant, c'est le 5, donc ça c'est après. Nouveau échantillon de la version 6 reçue. Nous conserverons le même dosage que pour la version 5, soit un 1. À raison de une ou deux séances par jour en fonction des réactions des sujets. Le lendemain. À l'issue de la première séance, nous avons remarqué les effets secondaires habituels. La fièvre est 30% plus forte que la moyenne de la version 5, ce qui était attendu. Le sujet semble réceptif, mais étant donné sa forte température, une seule séance a été effectuée. La fièvre a cru de 10%. La fièvre commence à diminuer. Maximum atteint environ 48 heures après la première injection, ce qui correspond aux observations antérieures de la version 5. Objectif de deux séances demain. Ok, deux séances. La fièvre est stable, bien qu'un peu élevée par rapport à la version 5. La fièvre est légèrement baissée, mais restera probablement au même niveau jusqu'à la fin. Le sujet est en proie à une certaine confusion. Deux jours d'avance sur le planning par rapport à la version 5. Début de la phase 2. Donc pendant tout le temps où elle a été enlevée... Attends. Désert. Elle a été enlevée... Le 5-2... Elle a été enlevée le 5-2, elle est réapparue le 5-3. Donc là, c'est toujours dans les phases, ok. Le sujet semble très réactif, la phase 2 est terminée. La phase 3 peut commencer probablement demain. Automontage nécessaire au plus vite, on attend des conditions météo identiques. Début de la phase 3, nous nous concentrerons sur l'objectif CDF jusqu'à ce que nous ayons la photo. La perception du sujet du site CDF est déjà modifiée. La pluie s'est enfin arrêtée. La production du photomontage devrait être possible demain. C'est pour ça que, en fait, il y a des trucs où sur le détecteur de mensonges, elle disait la vérité, mais c'était pas le cas. Et parce que on lui a mis dans le cerveau ces souvenirs-là.
Nous avons enfin les productions photographiques. La photographie d'origine a été remplacée par le photomontage. Le souvenir du sujet relatif à la photo est altéré. La version 6 démontre une efficacité accrue de 25%. Nous sommes prêts pour la phase 4. La confusion a cessé au début de la phase 4. Les séances de contrôle sont satisfaisantes. Quelques hésitations, mais les ancrages étant fortement alignés avec les objectifs, ça semble fonctionner. Phase 4 terminée. Les objectifs sont désormais fortement ancrés. L'injection finale ce matin. Le sujet est sous sédatif et le restera jusqu'à ce que la fièvre cesse. La fièvre est retombée. Arrêt de la sédation, le sujet sera libéré. Elle a été retrouvée. 5-3. Ça, c'est le 5-3. C'est bien connu. La version 6 est très prometteuse. Plus de 30% d'efficacité globale, mais plus 40% de fièvre, ce qui posera problème pour les sujets les plus fragiles. Nous considérons la version 5 comme étant la norme dorénavant. L'objectif de la version 7 sera de régler le problème de fièvre. Ok, donc on a l'adresse. Donc en fait, ce qui s'est passé par rapport à Connie. Connie, elle a été enlevée pendant un mois. Et elle arrêtait pas de dire que c'était les extraterrestres qui l'avaient enlevée et tout. Mais ce n'était pas le cas. En gros, elle est tombée sur le cimetière avec tous les cadavres. Elle a dû prendre une photo. Enfin, elle a repéré le cimetière. Donc elle était là au mauvais endroit au mauvais moment. Et du coup, eux l'ont kidnappé et ont modifié sa mémoire pour pas être démasqué. Et tous les gens dans les cimetières, bah, c'était des personnes sur lesquelles ils faisaient des expériences humaines. Donc en vrai, il n'y a pas d'alien. Vous avez suivi ou pas ces questions? Oui, les recherches tordues que menait Jenkins. Ah, mais Apple et Jenkins, c'est bon, bien s'entend. On fait maintenant plus en moins, je veux dire plus ou moins. C'est quoi le moins que t'as pas compris? T'as dit que t'étais tordu tout à l'heure. Et Jenkins est tordu. C'est vraiment de passer à la phase 2. Non, arrêtez de dire le mot phase, ça me fait penser à ça. Donc là, on va essayer de chercher la top. On va parler à l'agent Pendel de cette adresse pour que la top marche. On va pas mettre Pendel en danger. Une grande fille, Evan. Ah, c'est sa première enquête. Elle est toute nouvelle en service. Appelle Skinner pour qu'il te mette en relation avec Pendel. Okay. Je t'appellerai plus tard. Ah ouais, me laisse pas le temps. C'est bon, hein, tout est revenu sur le stream, y a pas de soucis. Yes, Operator Tanner. Les informations à transmettre à l'agent Pendel. What kind of information? L'agent Walker a du niveau sur la... Ouais, en plus c'est vrai. C'est vrai. All right. I'm forwarding the call, Tanner. But I hope you're not just sending Pendel on some wild goose chase. Que l'enquête de l'agent Walker et Pendel se rejoignent. On n'avait pas besoin de mentir. Ouais, c'est ok. Operator Tanner, what can I do for you? Vidéo qui incrimine le tueur de Wells dans un incendie criminel lié à l'enquête de Walker. Wyatt? You're kidding. Okay, so our murderer likes to play with fire too, huh? This guy just gets better and better. By any chance, did any clues pop up where we might locate him? En fait, si j'ai une adresse, il y a Jenkins. To Jenkins? So it comes full circle, does it? Well, whatever that address is, I'll take it. Ah non, c'est bon, il est déjà enregistré. J'ai l'air retrouvé dans le truc. Exactly is this place? If Wells Keller is there, I assume it's not a petting zoo.
Je crois que c'est le labo de Jenkins. I see. Well, I'm on my way. I'll contact you when I get there. Thanks, Tanner. Maybe now we can finally book this guy. Faites attention, il est dangereux. Il fallait dire de faire attention. Ça devient corsé là. Dites-moi tout. The door was unlocked, actually. It's real weird in here, Tanner. Like everybody suddenly took off. But left all their beeping lab equipment behind. But I don't see any sign of Will's killer. Looks like a dead. Shit! Drop the phone. Oh, slide your gun over to me. Slowly. On your knees, Agent Pendle. You? How do you know my name? You might want to close your eyes. You don't want to do this. I'm a federal agent. Agent Walker, FBI, drop the gun! Drop the gun! Move away from her! C'est l'agent Walker! Ah non, l'agent Walker, il est là. L'agent Walker qui vient l'aider. Oh le bordel! Oh putain, une bombe! Et elle est enfermée dans la pièce avec. Ok, elle est enfermée dans une pièce avec une bombe. Et Walker, il a mis les menottes au gars qui l'a attrapé. Quoi? On doit désavancer la bombe en 20 minutes, 16! Il appelle Skinner. Dépêche, dépêche. Putain, on a 20 minutes, les chocobos. Hein. Ah là, tout le monde attaque, hein. Yes, operator Tanner. Kendall est enfermé dans une pièce avec une bombe. Okay, let me think. Unfortunately, our more seasoned operators are presently occupied. I'd send a team, but they'd arrive much too late. That means you'll have to defuse the bomb, operator. D'accord, qu'est-ce que je dois faire? On a pas le temps de dire c'est une blague. Bomb defusal manual. You haven't gone through bomb training yet, but we have no choice. Oh putain! To tell you is important. Do not read the entire manual. C'est pas le manuel en entier, vous n'avez pas le temps, ok. Moi je lisais toujours les manuels en entier. Do you understand? Compris. Manuel. Les manuels des armes. À quoi ressemble la bombe? J'ai le manuel. Identifier l'archétype de la bombe. Alors, il y a des fils, un module de contrôle, une batterie, un clavier, une sorte d'écran. Ok. Si vous voyez, si vous comprenez vite ce que c'est, vous me dites. Il y a combien de dispositifs? Oh putain. Alors déjà, il y a un truc avec un écran. Non. On sait que c'est lequel. Ah. Non. Écran. 1.5. Un module de contrôle. Des fils, un clavier, écran,
Oh. Moi, j'arriverai jamais, hein. Y'a pas moyen de la faire sortir de là, plutôt? Clavier. Ok. Clavier égale couper fil jaune. Écran. Égal coupé fil noir. Mais si c'est pas... Coupé fil noir. Si... Archétype multimasse. Alors 16 minutes. Ou désactiver écran via l'interrupteur. On s'en fout des fautes. Couper fil jaune. Couper fil rouge. Allumer l'écran. Éteigner écran, ok. Mais ça peut être un multimasse. Quinze minutes. Batterie. Contrôle, y a rien. Récepteur. Comment on sait? Il y a des fils. Un module de contrôle. Il n'y en a pas. Pas de procédure de désactivation de ça. Donc les fils, c'est avec tout. Batterie, on n'a pas. Ah si, c'est alimentation. Alimentation, donc ça dit quoi? C'est la batterie. Coupé fil noir. On est d'accord, hein? Eh, vous me dites si vous voyez les erreurs. Hein. C'est quoi qui peut être... Ah oui, multimasse. Décrivez-moi l'écran. Parce que l'écran a... multimasse. Voyez-vous sur cet écran? Ouais. Quel genre d'écran s'agit-il? Putain, mais... Numbers are made of little bars. There's 7 of them. Is that important? We don't have all day, operator. C'est important, oui, c'est important. Après, ça peut être l'horloge. Elle a dit qu'il y avait des numéros. Si la bombe est équipée de modules clavier et écran. Numéro de série. Oh Wolf, désolé, on a 12 minutes pour désactiver une bombe. Ah déjà, il y a un numéro de série.
Nothing unusual. Wait. There's a switch behind the display. Looks like a power button. Déjà, il y a clavier et écran. Avec numéro de série. Non. Et noter le numéro. Mais pourtant, elle le voit. C'est un code sur le clavier. It says ABM 1865 11. ABM 1865 11. Mais après j'en fais quoi? C'est ça le 1.4. L'horloge inversée, elle a dit qu'il y avait des nombres sur l'écran. À propos de la bombe. Attends. Ça, c'était l'autre. Il y a plus de 10 minutes. Ah, attends, il y a une numéro de série. Non, mais c'est pas du tout à propos de la bombe. On arrivera jamais en 20 minutes, c'est chaud. Ah non, c'est ça. L'interrupteur doit être actionné. Elle a dit qu'il y avait un bouton derrière. Après, il y en a un, c'est juste couper un fil jaune. One for each digit and an enter and a confirm button. 12 in total. Après, il y a le type de bombe. Le fil jaune. Are you sure, operator? Ta gueule, fais-le. I hope you're right. Okay. I'm cutting. On a qu'une minute. The wire. Oh, it's done. Ok, le clavier c'est bon. Le clavier, on a fini. Ok, le clavier c'est check. Maintenant, on va déconnecter l'écran. Comment ça, l'écran est connecté à sa... Je sais pas, je comprends pas. À quel moment, quand t'as un numéro de série... Ok, donc si une horloge, c'est un actif. Mais à quoi sert le numéro de série?
m'aide pas, hein. C'est-à-dire qu'il y a une multimasse ? Ouais, mais ça m'aide pas. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Module clavier, Elle a dit qu'il y a un interrupteur. Ouais, pour moi, c'est ça. Bon, on va voir. Couper... Pour moi, c'est ça. Couper le fil jaune. Ça. Mais il n'y a pas assez de temps, t'as pas trop le temps de... Ah oui, il y avait des... désactiver l'écran avant. J'avais noté en plus, mais... De toute façon, en 5 minutes, j'aurais pas pu déconnecter le reste. Il n'y a pas assez de temps, 20 minutes, t'as même pas le temps de lire. Non, le rouge, non, fallait que j'éteigne. J'avais bon, j'ai fait le deuxième avant de faire ça. Now go home, operator. I think you've done enough for today. En plus, il m'engueule alors que je suis pas démineuse. Putain, c'est chaud, hein. Sans la soluce, c'est chaud, hein. Des courses à faire, je reviens plus tard. Ah bah, on se verra pas alors, B-Boy. Ah, dans une semaine. Et merci à ceux qui laissent le ninja, surtout aujourd'hui, parce qu'on a une coupure stream. Je joue plus souvent à des mineurs. Bah c'est plus simple des mineurs que ça, hein. Parce qu'après, fallait en plus... Là, c'était que... En gros, t'as ça à enlever. Ça. Après, j'imagine qu'il y avait l'alimentation, je sais pas. Mettre 3 petits points, parce que c'était sérieux, quoi. Comment tu veux la sauver, putain. En fait, t'es trop pressé de l'aider, mais parce que t'as que 5 minutes, tu vois, t'es obligé d'aller vite. C'est en allant vite que j'ai oublié d'éteindre l'écran. Génial, notre perso, il a tué quelqu'un. Enfin, on n'a jamais eu la formation, tu vois, t'as un guide. T'as un guide à lire qui dure... il faut 3 ans pour tout lire et encore, même si tu lis, faut comprendre. D'ailleurs, il m'a tout réinitialisé l'uptime, le Wizbot. Non, ça va. Ah, je suis dégoûtée, je voulais la sauver, mais là... Désolé, petit chocobo. En plus, c'est pire si j'avais noté sur mon bloc. C'est ça le pire. Mais j'ai confondu deux trucs et voilà. Mais par contre que le gars il nous engueule alors qu'on n'a jamais fait ça. Génial quoi. Code d'Apple. Ah. Ah, je suis dégoûtée.
Mais bon, de toute façon, il y avait peu de chances du premier coup de réussir à... à y arriver, hein. On verra, peut-être après les vacances, on le refera et on réussira. Par que elle va être plus sympa avec nous que l'autre connard, hein. C'est ta faute! Merci, quoi. C'est pas lui, il savait qu'il fallait couper l'écran, mais il nous l'a pas dit, hein. Beaucoup de tortues, merci beaucoup. En vrai, on y est pour rien. Clairement, elle a raison. Aïe aïe aïe. Après, ça rejoint vraiment un peu X-Files. Hein. Parce que bah, c'est souvent le cas que Scully et Mulder, il y a des gens autour d'eux qui crèvent à cause de, bah, de leur recherche, quoi. Surveiller Mia en plus. Aïe, aïe, aïe. I told you we'd be working together again, didn't I? So I guess Hal has filled you in. The deal is this. If we can find out who's watching these feeds... Par contre, ceux qui ont réussi du premier coup sans aide, j'ai eu. We need to identify the person being watched in the second feed. Can you help me, operator? On a le fantôme, maintenant il faut qu'on trouve la top. Avec plaisir. On va aller trouver ces connards. Hal told me that to share it, I had to type in, press this, and then... Ali. Ah, attends, il a failli nous donner... Hal. Il a failli nous donner un prénom, non? Si c'est un surnom. Thanks, Operator Tanner. Ah non, c'est le mot de passe. Donc il y avait un mouchard chez Mia, mais il y avait un mouchard qui menait à là. Mia était surveillée, mais ici aussi c'est surveillé. Ah, ok. Analyser, c'est en direct, pas une vidéo. On a vu sur la fenêtre, ok. Okay. Plusieurs bouteilles, un chat endormi,
Il y a une fuite d'eau. Ok, avec tout ça, je trouve, c'est chez qui? Quelqu'un qui a pas trop les moyens. Un train mouet qui passe, c'est pas chez nous? Ah non, il aurait reconnu une autre perso. Pour moi, c'est nous, hein. On va tester. On va faire un test. En fait, peut-être que c'est fait exprès que notre perso ne réagisse pas pour qu'on puisse chercher, mais... Pour moi, c'est chez nous, hein. Ouais, c'est chez nous. En fait, quand il y a des cinématiques, ça vibre, vous savez, comme un tremblement de terre. Tu es au courant? Que non, je le jure. C'est quand il y a une cinématique, vous savez, il y a un petit tremblement à chaque fois chez nous, et puis on entendait un chat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il le savait vraiment pas. N'a aucun sens. De toute façon, on n'a pas trop le choix, hein, vu où on en est. Ouais, il y a un fichier dans la corbeille. Alice. Elle a failli dire Alice, là. Ah, donc Al, c'est une femme. Donc Al, c'est Alice. C'est une femme. Et apparemment, Andrew, elle connaît la personne, hein, vu qu'elle a dit Ali. C'est vrai qu'on est parti sur Al, c'est un homme, mais en fait... Tu lis ce fichier, c'est que je t'ai fait suffisamment confiance pour te révéler ma véritable identité. Je m'appelle Alice Truman, mais tu me connais mieux en tant que Al. Je faisais partie du programme opérateur. La direction de... J'ai gagné la confiance de Al. Ah, j'ai un succès. Alice... Ouais. Je faisais partie du programme opérateur sous la direction de Xavier Skinner, mon superviseur. En fait, j'étais l'opératrice que tu as remplacée. Ah, donc on a pris sa place. C'est quoi? J'étais opératrice que depuis quelques mois quand j'ai commencé à remarquer des phénomènes étranges. Quand je me suis penchée sur ces anomalies, j'ai été confrontée à une certaine résistance. Il est rapidement devenu évident que la seule façon d'enquêter sérieusement sur ce que j'avais découvert sans mettre ma vie en danger était de démissionner. Plutôt pour ne pas éveiller les soupçons de me faire renvoyer de mon poste d'opératrice, ce que j'ai fait en simulant mon incompétence. Ah, bah ouais, clairement. Bah plusieurs, tu vois, la bombe, c'est dommage. À plus nombreux, on aurait peut-être réussi, tu vois. À plus nombreux à... Parce que je l'avais noté, j'ai fait une petite erreur. Après avoir quitté le FDI, j'ai adopté le pseudo Al et en me servant de compétences acquises avant même mon expérience au sein du service, j'ai repris mon enquête là où je l'avais laissé. Je suis une hackeuse, mais malgré mes talents, le FDI s'est avéré un adversaire redoutable, doté de l'un des systèmes de sécurité les plus avancés au monde. Afin d'accéder à leur système, j'avais besoin de quelqu'un à l'intérieur et ce quelqu'un, c'est toi.
C'est amusant, mais j'ai découvert que la corbeille est la seule partie de l'ordinateur qui n'est pas réinitialisée entre le départ d'un opérateur du programme et l'arrivée d'un autre. J'ai donc laissé ce fichier pour toi. J'ai aussi utilisé ton ordinateur comme une backdoor, une porte dérobée, permettant d'accéder au système du terminal du FDI. Merci. Et voilà, maintenant tu sais qui je suis. Je peux toujours révéler mon identité pour obtenir une belle récompense et passer le restant de tes jours à boire des pina coladas sur une plage au bout du monde. Mais maintenant que tu sais ce que tu sais, j'espère que tu continueras à te battre à mes côtés pour qu'un jour on puisse les démasquer. Qu'ils soient et quelle que soit leur influence. Qu'est-ce que tu en dis? Vous êtes une femme. À la réponse. Vous êtes une femme, Anne. Franchement, c'est trop marrant, j'ai envie de dire ça. Comme tous les meilleurs hackers. Tous ces gens. Organisation. Donc c'est ceux qui sont à l'origine de Eve. J'ai mal à comprendre, pourtant j'ai fait un résumé avant. Il n'y a pas eu beaucoup de choses nouvelles depuis mon résumé. À part qu'on a découvert l'identité de Hal et que nous on est surveillés. On fait confiance, Hal. Moi tout, ouais, faut le savoir. Non, mais Apple, je crois que t'as raison, mais alors, j'avoue que je trouverais ça nul si c'est ça. Mais t'as peut-être raison du coup. Mais je trouvais ça un peu nul. J'avoue que... tu vois. Parce que pour moi c'est trop... c'est trop bateau, c'est trop... tu vois. Comment expliquer? The people who are watching Mia are watching you? Non, c'est même pas ça, c'est une question de... enfin... s'ils sont amis depuis très longtemps, tu vois, je sais pas, il y a un manque. Je sais pas, c'est un peu bizarre. À moins qu'en fait ils se connaissent depuis pas longtemps. Mais c'est, je sais pas, c'était vraiment indiqué comme quoi ils étaient amis. Enfin, ça donne l'impression qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Et lui, s'il a pas compris. Il a mis sa phrase de quand il a pas compris. Tu sais, il c'est pas faux, mais il, j'ai remarqué cette petite phrase quand il comprend pas. What is going on? Mais il est temps à comprendre. Mais y'a pas de soucis, hein. Prends le temps de guide fou, Elios. C'est juste que ça me fait mal. Ok, I'm on my way, Tanner. We'll get to the bottom of this. Et Red, il a rien subi. Il va me demander un résumé dans 2 secondes. Walker. You all right, Tanner? You sound kind of funny. Look,
I'm down here in the basement with this guy, you know. Une drôle de voix, parce que comme si quelqu'un avait explosé à cause d'une bombe à cause de nous. Real piece of work, let me tell you. And there's a bit of a hiccup. He says he'll talk, but he'll do it under only one condition. Quelle? He says he'll only talk to you. You gotta do the questioning. My two cents? This guy, I mean, he's a real pro. We won't get anything out of him unless we play ball. That's just the way it is. Beats me, Tanner. Personally, I think no name might be a few fries short of a happy meal. But if you talk to him, maybe we can find out who this guy is. Why he's been doing, you know, what he's been doing. C'est sur moi. I'm putting the phone down between me and our little friend here. Hello, Mr. Tanner. Voulez-vous me parler? Listen, I have a deal for you. Oh là là. I'll answer your questions, but you have to answer mine. And I will know if you lie, so don't. Genre de questions. Simple ones. So every time you answer one of my questions, if I feel you've been honest, I will answer one of yours. Why don't we try one? I'll start. Do you know why I wanted to talk to you? Specifically. Si nous pose des questions sur elle, on est obligé de mentir. Pas la moindre idée. Bah moi je pense que c'est parce qu'il y a une caméra chez nous, mais apparemment, on n'a pas l'option. See? You told the truth. That wasn't so hard, was it? Now, apparemment, notre perso, c'est pas. Ask me a question. Go on. I'm ready. Alors, on va sûrement avoir des erreurs, donc faut choisir les bonnes questions. Subject is out of bounds. I never expose the persons I work for or with. That would be unprofessional. You can ask me another question, Mr. Tanner. Il nous laisse quand même poser une autre. Qui travaillez-vous? Il va sûrement dire pareil, hein. On peut essayer. Son nom? My name. I have no name. My previous identity was erased when I started doing what I do. Even if I gave you my old name, you wouldn't find it in your database. I've been expunged. They are quite thorough. Now, who is Mike Trench, Mr. Tanner? Mike Trench. Ah, mais c'est le directeur, Mike. La fille, mais c'est un directeur. Ouais, c'est un ami d'enfance, tu vois. Tu vois, c'est pour ça que je trouverais, si c'est vraiment lui la top, je trouverais ça bizarre. En fait, c'est parce qu'ils sont amis d'enfance. Tu vois, genre, ils se seraient rencontrés un petit peu avant, tu vois. Ils nous auraient fait rentrer du coup au FDI, tu vois, pour nous surveiller. Parce que je veux dire, Apple, ça serait pas choquant. Mais un ami d'enfance. Enfin, si c'est vraiment lui, j'espère qu'il y a vraiment un truc genre de ouf derrière, tu vois. Genre, c'est un ami d'enfance, mais. Genre, nous, on a été repérés avant lui. Enfin, c'est un truc vraiment qui a une raison. Un peu, tu vois, j'espère qu'ils mettront un vrai truc. Parce que pour balancer un ami, pour faire surveiller un ami d'enfance, juste on te demande et tu dis oui, et ce serait. Ils le tiennent pour un truc. Ouais, voilà, faudrait qu'il y ait quelque chose. Sinon c'est naze. Cette question au sujet de Mike, on sait très bien, il y a des chances que ce soit lui la top.
Bon, faut poser notre question, parce que la question, une question à rapport à ce qu'il nous dit, c'est un piège. Pas répondre à nos questions. Savez-vous au sujet du projet Eve? Ça pourrait être pas mal, non? Raywell, c'est qui déjà? Ah, c'est parce qu'il est sur la liste. Ah, c'était celui... Après, il y a tout savez-vous au sujet Sacha et Mia Cole. Mia, elle a été tuée, mais Sacha, elle est toujours vivant. On va prendre quand même le projet Eve. To develop a means to alter personal plant new false memories and erase old real memories. Quite valuable. It was started and led by Dr. Henry Jenkins, but it was cancelled after there was a leak. There were over 100 test subjects in Project Eve. When a subject died, which often happened, the subject was parfois ils sont quasiment tous morts les cobayes at the DFPD. That's all I know about Project Eve. What do you know about Sacha Cole? On va dire la vérité, on veut des noms qui étaient censurés sur la liste. En vrai... Et là, il nous a rien dit. Il nous a juste confirmé tout ce qu'on sait. Mais apparemment, le truc d'Alzheimer et tout, c'était du vent. Mais le scientifique qui a été enterré, qui a démissionné et qui s'est fait tuer... Il pensait vraiment à la base qu'il allait travailler sur tout ce qui est Alzheimer, mais en fait c'était faux. All right. Très bien, ok, il savait peut-être pas que Sacha était encore en vie, mais bon. Et votre objectif? My main mission is to cover up any cancelled projects. How did you come to retrieve the missing footage from the garage? Aïe! J'ai pas envie de balancer Al. Aïe aïe aïe, on fait quoi? Déjà, j'ai dit que Sacha était vivant. Déjà, c'était pas cool. Et bon, pour avoir des informations, on est obligé de balancer des informations. Il va savoir qu'on ment. Mais au moins, il aura pas l'information de Hal. Et Al, c'est quand même la personne qui peut sauver tout le bordel, donc si elle se fait attaquer, on est foutu. Ah, on va mentir. Ah, I see. Now you can ask me a question. Ah, il me pose quand même... Je peux quand même poser une question. Soit il ne sait pas que je mens, soit il va mentir. Du coup, on va se poser une question pas si importante. Myself. He was an easy target. An addict. A junkie. Someone willing to do just for a few dollars. We agreed to meet in the garage once the job was done. There, I killed him and erased the surveillance tape so that nothing could lead back to me. Or so I thought. And do you know Hal's true identity? Ah, putain, on a menti. On a menti, mais il sait. Non, il a su. Il sait déjà que... Pourquoi Nemesis? Ça a rien, il mentir. Après, oui, mais je dis pas qui c'est. What's Hal's
right. It is. Donc l'autre il écoutait. On va se faire engueuler. Donc c'était écouté par Skinner. Skinner qui vient de réagir. On est foutu. Ah là, elle est importante cette question. Ah non, c'est Walker peut-être. Après Walker, si c'est pas Skinner, et peut-être qu'il sera sympa. Ah là, quelle question. Henry Jenkins, pourquoi il l'a tué? Il a dit qu'il effaçait les traces. Donc c'est peut-être ça. Comment ça, Nemesis? Et re, Anna? Je sais plus si je dis re. Il travaille pour Eve, j'imagine. Alors ça va être trop, ouais. Poser cette question. I know that Sasha Cole is missing and that I killed Mia Cole by setting fire to her apartment. She was digging around, asking too many questions. At the time, my mission was to ensure the investigation of Sasha Cole would hit a dead end, go nowhere. I don't know anything more about this subject. I only know what was necessary to do my job. What is Hal's true identity? I think we're done here. I'll take things from here. Come on. Let's go, Mr. No Name. Ah, je protège Alice quand même. Your palatial cell. Tanner, you and I'll talk later. Prenez-moi si vous apprenez quelque chose. Ah, ça va, par contre, j'ai eu une coupure de courant en bâtiment, donc ça a coupé le stream un moment. a perdu un peu de monde. Oh, dans le bâtiment, tu es prêt? Je suis prêt, ok. Ouais, un peu dommage pour le dernier stream. Mais... Avant les vacances, c'est le premier du mois. Ça a tombé un peu mal. Allô, la salle des serveurs au 11e étage. Je demandais à Mac de nous aider, bah non. Il y a des chances que ce soit Mike. Il y a vraiment intérêt à ce qu'il y ait une raison que ce soit Mike. Hein. Zigzag, comment ça va? Pas le choix de lui dire ça. Bah ça va, ça va. Ça va, ça va. Juste très 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 chaud. Si elle a encore besoin d'aide à cause d'une bombe, c'est bon. C'est bon. Pas de bombe. Je vais pouvoir jouer les voyeurs, génial.
C'est parti. Okay, I'm on the 11th outside the door. Not gonna lie, I'm a bundle of nerves. Breathe, Catherine, breathe. You see me, right? Oui, je vous vois. Oh no. Bad news, Tanner. The code Hal gave me isn't working. Not the start I was hoping for. Pas de panique, je vais m'arranger. Le code ne marche pas. Changement de plan. Au endroit 8e étage où tu te trouves. Pas besoin de code pour entrer. Ensuite, tu la guideras jusqu'aux escaliers de secours qu'elle prendra pour monter au 11e. Je vois les étages où... Donc je dois l'envoyer au 8e et après je dois l'emmener par les escaliers de secours. What? That's the operator floor. Can I bring you a coffee or anything? Sorry, I tend to make bad jokes when I'm nervous. Okay, on my way. Vous voyez le plan du 8e étage. Oh putain, ça promet. Oh non, on va encore avoir quelqu'un qui crève. Oh putain de merde. Okay, I'm back down at 8. Just one problem. I don't know this floor, Tanner, but I guess you probably do, right? Ah ouais, deux secondes. Anyway, I'm in the entrance, doing my best not to look suspicious. But it's hard when you're basically wading in a pool of your own sweat. Voilà, va quelque part. C'est que le 11e qu'on voit. On voit pas les autres étages. Alors, elle a pris les escaliers de secours. Attends. Je suis à l'entrée. L'entrée, c'est là. Donc elle est arrivée là. Ah oui, elle doit aller là. Ah non, elle a pris l'ascenseur. Elle est arrivée par l'ascenseur. Donc elle est comme ça dans son sas. Prenez la porte sur votre gauche. All right, I'm in a hallway now. There's a door straight ahead. There's a hallway to the right and one to the left. Where do I go? Putain, à droite. Superviseur. Okay, there's a door at the end of the hallway. Two doors on the right. One door and a hallway on the left. Where do I go now? On prend le couloir. Gotcha. Oh putain. C'est 007. Do I take the right door or the left door? OK, alors elle arrive là, tic, celle de gauche. All right. I see the door to the stairway. Whew. I can breathe a little easier now. OK, ça c'est bon. OK. I'm heading back up to 11. Follow me on the cameras. Allez là. Ok. All right, I'm back at 11, outside the stairway door. What do? I assume I can't knock. On est devant la porte des escaliers. C'est là, il y a quelqu'un qui ouvre, tu sais, à un moment où elle est là. Soyons taquets, hein, faut qu'on lui sauve la vie, là, les chocobos. On a déjà tué quelqu'un. Hop, taquets, notes, merde. On trouve la top. Okay, I'm in the hallway, en route to the locker room. Looks clear. Follow me on the cameras. Ah, je sais pas, moi, il y a combien de caméras. Allez. C'est la misère, t'as mal au ventre? Ah merde. Someone's coming. Close call.
tell me when it's clear. Come on. Le stress. Le stress, le stress, le petit chukuru. Okay, I'm approaching the technician locker room. I'm not hearing any noises from inside. That's good. You gotta be kidding me. The locker room needs a code too. I know it's the FDI, but this is excessive. Je m'en occupe. Il y a un code pour le vestiaire. J'aime bien, je m'en occupe, je demande à Al. Code Emotion, comment ça depuis le temps? J'ai trouvé moi-même le code. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah tranquillou, on essaie de sauver le monde. Bah, c'est pas vraiment ça, mais... Oh putain... Faire un code et les informations données par le journal à chaque fois devraient te permettre de trouver les bons chiffres. Ah, c'est un mastermind, j'adore ça. Mais entre les deux. Qui sont bloc-notes? Tu parles du truc que j'ai tué quelqu'un. Et encore le truc de la bombe, hein. Voilà. Ah, on va encore tuer quelqu'un. Alors, la console, il faut taper quoi? Ne faites pas ça dans votre console, ça ne marchera pas. J'imagine ce que c'est. On va essayer des codes, d'accord? On va jouer au Mastermind, ça te va? Alors, Mastermind, j'ai combien de codes? C'est 4. Alors, avec autant de chiffres... Là, il y a 8 chiffres. Ah. Ok. Donc... Allez. On va enlever là parce que ça me gêne. Déjà, j'adore Mastermind. Mais, qu'est-ce qui est bon? Alors, croix, c'est pas bon. Déjà, y a pas... Y a pas de 5, 6, 7. Égal, nope. Les traits, c'est peut-être pas au bon endroit. Et les fleurs, c'est bon. Bon, égal... Inconnu. C'est quand même bizarre. Et si on est... Je sais pas si on échange. Bon, ce serait plutôt les traits. Ce serait bizarre qu'il y ait 2, 3, 4 collés. Plutôt le premier qui est bon. Genre le 0. Connu, inconnu. C'est quoi? C'était le 3. Non, 0. Non, le 4. Non, c'est pas ça. Et 1, 2, 3.
ailleurs. Ça pourrait être ça. De toute façon, on va remettre 0 pour être sûr. 0 3 2 1 4 8 9 0 Putain, il y a encore un nouveau symbole. En tout cas, c'est bien les traits, c'est que c'est bon. Non, mais il y a un truc vert maintenant. Mais il y a 4 symboles. C'est quoi ce mastermind de merde? Mastermind, t'as 3, t'as pas 4. T'as... C'est pas bon. T'as c'est bon ou c'est un autre endroit? Là, il y a un 1 en plus. Fuck. Est-ce que quelqu'un a une idée là? Qu'est-ce qui veut dire que c'est bon? Bon, déjà, on sait que c'est pas 5, 6, 7. Déjà, il n'y a pas de 5, 6, 7. Tous les autres, ils y sont. Il y a 2 fleurs qui ont été enlevées. C'est quoi j'ai remis? J'ai remis un 0. Ah non, parce que là c'est encore croix, croix, croix. Le 8, 9, 0, c'est pas... Mais pourtant tout à l'heure le 0 il était... Ou alors le 0 c'est pas bon. Pourtant là, le égal c'est bon, mais en fait il y a 4 symboles. Ah, ou peut-être le croix-croix-croix, c'est qu'il n'y a pas... Il y a pas... Ah, non. Le croix-croix-croix, c'est qu'il n'y a pas autant de chiffres dans le mot de passe, peut-être. Il y en a bien 3, mais c'est pas... Il n'y a pas autant de chiffres. En fait, il n'y a pas 3 derrière. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ok, je vais essayer du coup toute seule maintenant que j'ai ça comme info. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Du coup le 0, c'est le Z. On va pas en slip. 0 et le 4 qui sont pas bons. Je fais la suite si je viens de dire s'il vous plaît. C'était juste ce que j'avais. Ce truc là. J'adore Mastermind et j'avoue que j'aimerais bien y arriver. C'est un jeu que j'adore. Mais c'est juste que je comprenais pas pourquoi il y avait 4 symboles. Et j'ai compris tout seul au final. Le 3. Le 3 est bon. Le 2 est pas au bon endroit. C'est pas au bon endroit. Ok, il y en a 5. Ok. Je sais pas pour le... Ouais. Le 2 est l'an dernier. Sept. 5, 1, 2 ou un 8 ou un 9 au début. That worked. Ok, c'est bon. Ok, I'm going in. Are you following me on the camera? Merci. I'm in.
J'adore ça. Je pourrais jouer toute la journée. J'en ai pas chez moi, mais ouais. Make sure the path to the server room is clear. It should be, but just check. Ok, la voie est libre. C'était quoi l'entrée? What? Okay, well, make them go away, Tanner. Compris. Okay. J'ai bougé la caméra, du coup ça m'a rebougé. Merci Chocobo. Ah, c'est peut-être elle. Elle, on l'avait déjà. Mais j'ai du mal à comprendre où sont placés les endroits. Je joue le jeu. Oh, putain. Oh putain, j'avais peur qu'il fasse ça. Rebecca Davis. Si, le service informatique, il y a un problème avec votre ordinateur. Oh. Who am I speaking to? Matthew Smith. Matthew Smith? Really? Because on my end it says Evan Tanner. Why does it say Evan Tanner when your name is actually Matthew Smith? Il m'a dit je joue le jeu. Elle remplace ce système, n'a pas encore été mis à jour. And you said you're from IT? Is that it? Moi, il me dit joue le jeu, je joue le jeu! Putain, on n'a pas le même sens de jouer le jeu. Du coup, maintenant, je sais pas si je dois mentir ou dire la vérité à cause de lui, putain. Bon, on va faire ça, on est parti là-dessus. Because on my computer it says you're an operator. Right here beside your name. Why is an operator working in the IT department? Opérateurs font l'informatique parfois. They do? I thought operators assisted field agents with their requests. I didn't know they installed firewall too. You know, I just thought of something. Usually when I deal with IT, I deal with Chuck Beatner. Attends, elle m'a donné un nom, à mon avis. Alors, déjà, tu vois, il faut savoir s'il y a vraiment une femme ou quoi. Chuck Beatner. Attends, faut des infos sur Chuck. Merde, j'ai mis un N. C'est un B. Champion. Déjà, il est pas marié. Excès de vitesse. Non, respect de l'arrêt au stop. Ça veut dire que sa voiture est tournée à la fourrière, il fait plein de conneries. Well, it was bound to happen. I can't tell you how many times I've told Chuck to stop parking in the alley behind the building. It's a fire hazard. But can we just put a pin in this talk of Chuck for a second and go back? On est chaud. You said you spotted an issue with my computer. What was the issue? Ça. De faire quoi? Le système doit être mis à jour. Un problème de connexion. J'imagine qu'il doit être mis à jour. Je sais pas trop, moi je suis pas informaticienne. Usually before you do an update, we receive a notice. But this time I didn't receive a notice. That's kind of weird. And why does it have to be dealt with right now? During normal working hours? Ah, le choix est dur. Je me contente de suivre les ordres, Madame Davis. Okay. Well, if that's the situation. Ça marche rien ça.
Et votre ordinateur. Shut down my computer. Sorry, but how are you going to fix an issue? C'est pas ce qu'il voulait faire. By turning off my computer, which will turn off the system too. I'm not sure that really makes sense. Moi, je crois qu'il voulait qu'on éteigne. Ouais, c'est les instructions qu'on m'a donné. How long do you think this would take to fix? Au moins une heure. Quelques minutes à peine. Est-ce qu'on dit une heure ou quelques minutes? Mais moi, en fait, je sais même pas ce que je dois faire. Je sais, en fait, je sais juste que l'autre, elle est en train de magouiller un truc, mais je sais pas quoi. Au moins une heure, allez. At least an hour? Really? Je suis désolée, mais oui. Well, I guess if you want to do something right, it always takes longer than you'd like, doesn't it? Good luck fixing the issue. Est-ce que c'est il faut la faire dégager de son bureau? En fait, je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut le... Ah, il faut la faire. Mais moi, je savais pas. Moi, je sais pas s'il fallait la garder là, faire qu'elle ne regarde plus son écran. Moi, j'ai réussi. Hein. J'ai réussi sans savoir ce qu'il fallait faire. Hein. Are you watching me? En fait, je sais même pas. L'autre, elle est en train de crocheter la serrure de ça. Et c'est quoi le rapport avec l'autre qui est là-bas? Aucune idée. Hein. Ah, parce qu'après, elle doit changer de pièce. Et elle doit aller dans le bureau de elle. C'est la salle des serveurs, ça? Mais comment tu veux que je vois que c'est une salle des serveurs? Pas sûr. Hein. T'es où? Ah, mais il y en a d'autres partout, là. Ah. Ah, mais voilà! Putain, mais comment je... Moi, je vois un bureau. Comment je suis censée savoir que c'est une salle des serveurs? Avec des vieilles caméras qui me donnent. Oh, je comprends mieux pourquoi il fallait la faire dégager, je comprenais pas. Ah, on est d'accord, les chocobos, c'est quand même. Ça porte à confusion. N'empêche, j'ai n'importe quoi et elle est partie, là, c'est bon. Ça va, elle les connaissait encore moins que moi. Génial, code rouge. What's going on, Tanner? L'alarme a été déclenchée. J'en sais rien. Est-ce qu'Andrew est compromise? Non. Si c'était le cas, on lui aurait déjà passé les menottes. Dis à Andrew de ne pas bouger, ok. Et la top. Elle va nous dire Mike. Et du coup, je serai dégoûtée. Et là, on va pas donner son nom alors qu'elle est compromise, mais on n'a pas le choix. Et bon, si, c'est Mike. Et ta gueule, dis-le-moi. C'est Trench. Ouais, j'espère qu'ils auront une raison. Trench? Trench is working with them. Then this goes all the way to the top.
Ça part en couille, hein. La musique m'est pas bien. Oh, ça va. Ça va, c'est mignonné. Donc ça, c'était avant la mort de Jenkins. C'est un vieux mail, parce que Jenkins est mort. Is it running? Okay. This is Dr. Jenkins here with control session number 24 for the patient Sasha Cole. The patient is under trichlorohydrin and has received 10 cc's of FMP 1138 Mark 5 2 hours before the following session. All right, let's begin. You will answer my questions as usual. One for yes, two for no. Ah, c'est Jenkins qui faisait le début. Do you believe in extraterrestrial life? Donc c'est Sasha au tout début. Au tout début, c'est... on est Sasha. Are you married? Ok. Do you work in law enforcement? J'ai plus un thème. Do you know who I am? Je sais plus c'était combien les bips. Pas les siens, je trouve qu'il y a plus de bips, non, que... Je sais plus. Are you Evan Tanner? Good. Ah non, c'est nous. Donc au début c'était bien nous. Attends, non, Sasha Cole, c'est nous? Attends, nous, on est Sasha en même temps? On dirait que notre femme qui est morte? Phantom s'est échappé, il a tué Trench. C'est ce qui a déclenché l'alarme. Il y en a après toi, sors de là tout de suite. En gros, on nous a effacé la mémoire. On nous a modifié la mémoire pour qu'on pense qu'on était Evan Tanners. Alors qu'en fait, depuis le début, on est Sasha. Sasha Cole et notre femme et notre bébé ont été tués. Oh, mais tu vois, je préfère, même si c'est horrible. Do you know who I am? Ils ont trafiqué notre mémoire. Do you know who you are? Are you Evan Tanner? C'est horrible. On est mort, hein. Donc on va faire une mauvaise fin. Alors je vois pas comment on pourrait faire une meilleure fin parce qu'on a fait... À part là, peut-être il faut absolument sauver la femme avec la bombe pour avoir une bonne fin. Je pense qu'on va devoir le refaire plein de fois, mon retour de vacances, ce jeu. Ou alors, t'es obligé de mourir, même pour une bonne fin. Mais on fait que des mauvaises fins en ce moment, mais je comprends pas. Apparemment, Skinner est de notre côté. Elle parle avec Skinner.
Donc là, on joue Alice. Là, il a pris le fantôme. Ouais, le fantôme, c'est ça du badge. Oh l'enfer, la fin. Ils ont une news. Donc peut-être que Trench c'était pas notre ami d'enfance, Apple. Tu vois, peut-être que ça a été trafiqué dans notre mémoire. Parce que c'était l'ami de Tanner, pas l'ami de... Et la première personne avec qui on a parlé dans le jeu, c'est Mike. Il nous a dit... En fait, on se souvenait plus de ce qui s'était passé. Et il nous a dit, ça va la gueule de bois. Il a dit à un moment que... Il a dit quand? Ah, j'ai pas vu ce message. Bah en fait, moi j'étais persuadée que c'était... Enfin, dès le début, je me suis dit, ça doit être nous... En fait, j'avais raison. Parce que dès le début, j'ai dit que le non censuré, c'était nous. Sauf que quand on a découvert le non censuré, il y avait marqué Sacha et pas nous. Mais Sacha et nous, c'est la même personne. Ah si, on a reconnu l'appart. On l'a reconnu. C'est nous qui l'avons reconnu. Et au début, je pensais que c'était vraiment nous. Et moi, je pensais qu'il y avait vraiment des aliens. C'est chaud. Elle a glissé. Je pense que Skinner, il est mort. Ouais, c'est le fantôme. Je pense qu'on a la mauvaise fin. Mais je vois pas comment on aurait pu... Peut-être avec les questions du fantôme. On a la mauvaise fin. Putain, le jeu il est fou. Je pense qu'elle meurt. Là on entend Alice.
Soit elle se barre, soit elle meurt. On n'a pas une bonne fin. Hein. Ouais, je sais pas c'est quoi le problème en ce moment, mais on n'arrive pas à avoir des bonnes fins sur les jeux. Bon bah... A tué son superviseur de sang-froid. Ah oui. En plus c'est nous le coupable. Putain la fin de merde. Oh putain, Horizon News. C'était le... avec qui était en contact Alice. Tout le monde est mort. Ah mais franchement je trouve qu'on avait plutôt bien géré pourtant. Barry Walker, il est mort aussi. On est mort. Et elle, elle s'est fait choper, elle est en prison. Merci de Raoul. Putain merde. Je sais pas si c'est possible d'avoir une bonne fin dès la première partie, honnêtement, c'est chaud hein. Je sais pas comment on peut faire mieux là, sur une autre partie. Est-ce qu'on doit dire à Skinner qu'on sait qui c'est Hal depuis le début ? À la fin, on s'est pas foiré, on s'est fait repérer. Enfin, l'autre il s'est échappé, mais. Je pense qu'il faut sauver l'agent Pendel, mais... J'avoue que je sais pas. Je sais pas si je le... si on, la prochaine fois on se refait avec Solus pour découvrir quelque chose de nouveau, vous voyez. Sans que je regarde les spoils, mais juste guidage de à tel moment faire tel ou tel choix sans savoir ce que ça va faire. Vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas. Ou si on le fait... Parce que j'ai peur que si on le fait aux yeux fermés, on y va en mode lambda, on découvre rien de plus, quoi. Je sais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire. Moi aussi je vais voir Apple. Je suis sûre qu'elle a fait un trop beau dessin là. Elle va pas me le montrer. À vous. Et à la fin je suis dégoûtée quoi. Mais pourquoi on fait que des mauvaises fins? Nobody Wants to Die, on a fait la mauvaise fin. Le jeu d'horreur, on a fait la mauvaise fin. Subway Midnight. Et là on fait la mauvaise fin. Les trois derniers jeux qu'on a fini, on a fait le mauvaise fin. Tu vois, elle a pas voulu me l'envoyer. C'est bon, envoie-le-moi que je pleure. Ah, je pleure. Et bon, j'arrête le dessin, c'est officiel. Ah putain. Pas la star, ouais. Mais il est quand même super beau. T'as pas le droit. Ah putain.
L'usinage des crédits. Vous avez regardé les crédits qui cachent quelque chose. Ah. Ah oui. Il part à Paris, France. 12 juillet 2024. No, sir. He's not here. Do you think it's her? Check his computer. Il n'y a peut-être pas de bonne fin, hein. Peut-être que c'est pour qu'il y ait un deux. The message says they know. Burn the place. Understood. You better find it before she does. We're done for. Je sais pas s'il y a une bonne fin. Honnêtement, je sais même pas. Je comprends mieux parce que j'étais raide par une personne qui avait le jeu et elle disait que faisait plusieurs fois pour essayer de voir s'il y avait des différences, mais elle savait pas non plus. Enfin, elle me disait pas si c'était le cas ou pas parce que mais je comprends pourquoi elle se posait la question. Après, est-ce qu'on pourrait se le refaire en essayant d'avoir le platine? Je regarde un peu. Il y a un guide pour le platine et du coup... Mais il n'y a pas l'air d'avoir de... Il n'y a pas de succès d'avoir une autre fin. Du coup, je sais pas si vous avez envie de revoir le jeu, pas mon retour de vacances, en mode... On utilise le guide de 100% succès. Il y a 2-3 trucs que j'ai oubliés. Et le fait de sauver l'agent Pendel, voir si ça change quelque chose. Ça vous irait ou pas? En vrai, hein, dans les succès qui manquent, c'est juste pas. Bah, j'ai pas scanné une plaque d'immatriculation à un moment. Un document peut-être que j'ai pas réussi à trouver et sauver l'agent Pendel. C'est tout. Et emmener à la fin, faut que j'emmène Andrew là quand on l'a fait bouger dans toutes les pièces, l'emmener à un autre endroit avant la du bon. Mais genre en faisant le 100% des succès, voir. Mais dans le 100% des succès, ils disent de se faire ami avec Al, donc est-ce que ça vous irait à mon retour de vacances? Bon là, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de chocobos qui sont partis en vacances. Hein. Ils ont peut-être parti ouais, parce que c'est vrai que le 1er août. Le fait de prendre des vacances là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup. 6 heures de stream. Ouais, ils ont fait un sacré jeu, mais je suis pas sûre qu'il y ait notre fin. Du coup, c'est pour ça que je vous demande est-ce que ça vous irait. Du coup, ça serait un peu plus rapide. Mais ça serait peut-être une session de 4 heures au lieu de 6 heures, quoi. Bon, il y a peut-être des trucs qu'il faudra rechercher parce qu'on se souvient plus, mais on se souviendra plus d'une semaine, mais.
à mon retour, il y aura ton bac à faire, il y aura bah, du coup The Operator si on refait. Après, bon, bah voilà, à cause de la mauvaise nouvelle hier, pas de budget jeu. À moins que les jeux soient sur Instant, j'aurai un peu de sous-sous bah, si vous passez par mon lien, quoi. Et du coup, ouais, je voulais faire 4 Quest 3, mais je... à moins que je l'ai pas les éditeurs, ça sera foutu. Parce que je voulais faire à mon retour de vacances qui sort le 8 août. Moi, je reviens. Je reviens le 9, mais je stream le 10. D'ailleurs, oubliez pas le 9. Anniversaire de Sun. Il est sorti août, il y a un jeu qui serait gratuit. Il y a le DLC de Dredge, et il y a Dustborn et Pharaoh Wellners. Je sais les erreurs par les éditeurs. Ouais, ma voiture elle a pas passé le contrôle technique Red. Alors je peux le repasser, j'ai 2 mois pour que ça soit gratuit pour le repasser, mais il faut que je change mes 2 pneus arrière, soit 150-200 balles. Voilà quoi. Et encore, le gars, il a vu que c'était un peu la misère, il m'a fait un prix hier. Il payait 75 au lieu de 82. Il était super cool, le gars. Et en plus, il m'a gonflé mes pneus aussi, alors que d'habitude, quand je fais le contrôle technique, ils me disent tous « Vos pneus, ils sont pas assez gonflés, mais ils le font pas. » Lui, mais il me les a regonflés, tu vois. Sauf que, bah, d'habitude, je peux pas les regonfler parce que moi, j'ai rien chez moi pour les gonfler. Eux, ils ont tout le truc. Donc là, je suis tombée sur quelqu'un de sympa, heureusement. Et ouais, du coup, disons que je suis déjà découvert plus ça. C'est pour ça que j'ai dit que ce mois-ci, il y aurait pas de... Enfin, pendant quelques temps, il y aura plus de barres... À part celle qui est en cours pour l'écran, il y aurait plus de barres pour des choses pour le stream, parce que je peux pas... Voilà, c'est que des barres soutien personnel, quoi. Je peux pas me le permettre. Ouais, bah de toute façon c'est pas mon moi hein. C'est pas mon moi hein, clairement. Clairement, mois de juillet, enfin là on est encore en... Bah quoique là, aujourd'hui j'ai pas une merde encore, mais... Ah si, il y a les coupures de courant dans le bâtiment. Qui fait que ma moyenne d'aujourd'hui va être horrible. Non mais c'est bien les vacances ce soir. Moi je vous dis c'est bien les vacances ce soir. Non mais... Heureusement que je suis résiliente, hein. Y a de quoi se pendre, moi je vous le dis. Hein. Au bout d'un moment. Heureusement que je vous ai, hein, je vous jure. Hein. De toute façon, c'est la poisse en soi. Bon, ça va, malgré qu'on ait fait une mauvaise fin, ça vous a plu. Alors, j'avais pas le temps de les mettre sur YouTube aujourd'hui. Comme j'ai dit, il faut regarder la rediff sur Twitch si vous êtes impatient. Sinon, bah, quand je reviendrai, je mettrai petit à petit sur YouTube. Et ouais, du coup, normalement... Alors, s'il n'y a pas d'imprévu, parce qu'il y a des choses que c'est pas moi qui ai le monopole entièrement dessus, hein. Certains savent. Normalement, je reviens... Le 8, mais le 9, je stream pas. Le 10, 11, je stream. Le 12, 13, je streamerai pas. Enfin, lundi, c'est normal. Je prendrai peut-être le mardi en plus. Ouais. Peut-être le 14, mais ça serait casse-couille. C'est vrai qu'il y aurait un imprévu chiant. Ou alors, je streamerai le 13, mais pas le 14. Enfin, voilà. Il y aura peut-être un truc un peu comme ça. Et normalement, à partir du 15, c'est pas de changement. S'il n'y a pas de truc de dernière minute, bah, ça reprendra la normale. Après, en espérant qu'il fasse meilleur. En espérant... Mais ouais, on était 47, tu vois, mon spectateur max est à 47, on était à 47 et j'ai eu la coupure de courant. Voilà, et on est plus que 22. C'est pour ça, je vous jure, hein, c'est la poisse. Hein.
Lequel, Apple? Après, tu mets pas dans la merde. Hein. Si je vous dis ça, c'est pas pour... c'est juste... Bah, voilà, vous... C'est juste par rapport au bar et tout. C'est pas que je veux plus faire des trucs pour le stream, mais je sais que je peux pas. Et un grand merci au Tipeee Sub actuel. Votre soutien financier. Où j'enfile? Bah, je pense qu'on va... Je sais pas si je fais de l'art. C'est super chaud. On part en vacances ce soir. C'est vrai que notre coloriage est presque fini, hein, c'est vrai. 4 quests. Ouais, c'est vrai qu'il y a une promo. Je sais pas aller jusqu'à quand. Après, voilà, c'est, j'aurais peut-être un peu de chouchou sur l'instant, tu vois, quand vous passez par mon lien, mais... Après, de sûr, alors, à mon retour, bah, on pourra refaire The Operator, du coup, comme on a dit, vous étiez chaud. Il y aura toujours Force Descendante s'il fait pas trop chaud. On vous dit One Suda, j'ai envie de le refaire, et en même temps, c'est quand même 8 heures de jeu. Parce qu'on a eu une mauvaise fin. Mais en même temps, faut avoir envie de refaire 8 heures de jeu. Je sais que celui-là, par exemple, en 4 heures, c'est largement faisable, mais 8 heures... Ça va, j'enfile, pas trop chaud. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. En vacances, peut-être. Bon, été, vous étiez pas trop fan. J'aimais bien, mais vous les accrochez pas. Et du coup, ouais, y a Tomba aussi. Tomba, ça va être cool. Alors, ça va être du rétro. J'ai jamais fait de rétro. Ce sera la première fois que vous me verrez sur le rétro, peut-être la dernière fois. Donc, soyez là à mon retour de vacances. Hein. Il y en a qui vont être choqués hein, de me voir là-dessus. Oh, le bonhomme Toby. Les musiques, elles sont géniales. Et en plus, quand vous lancez le jeu, ils vous disent qu'elles sont libres de droit pour les streamers et tout. Jamais. Tomba. C'est un jeu qui était sur PS1. Bon, je me souvenais de Tombi, mais pas Tomba. Mais Tomba, apparemment, c'est le 2. Tombi, je crois que c'était Tombi que j'avais fait, j'avais 9 ans, 9-10 ans, je comprenais rien, j'avais pas, je veux ma revanche. En fait les éditeurs m'ont envoyé, je pourrais même le commencer maintenant, j'ai l'autorisation là. Le jeu il est pas encore sorti pour vous, mais moi je peux déjà le streamer. Mais... Ah bah si il sort aujourd'hui, là j'ai rien dit. Ah mais ce matin il y avait pas la date. Enfin, ce matin quand j'ai eu la clé, il y avait marqué pas de date, et là il marquait, donc c'est bon il est sorti en même temps, bah vous pouvez le prendre. Steam qui le sait à la dernière minute, qui ils ont le jeu, ok très bien. la date de sortie du jeu. Mais je pense qu'on le fera à mon retour, dans tous les cas, parce que c'est un jeu de plateforme à histoire quoi. C'est celui-là. C'est un jeu avec un cochon, mais j'ai mis sur le Discord ce matin la photo. On a bien rigolé sur cette photo. Bon après avec Force on a aussi de quoi faire. Hein. C'est vrai que j'aime bien faire d'autres petits jeux à côté. Ouais bah moi j'étais petite, j'avais pas à y jouer, je comprenais rien. Du coup je veux ma revanche. Bon, j'ai vu qu'il ressortait. Bon je pensais que c'était le 1 mais c'est le 2. C'est le 1 que j'arrivais pas mais bon c'est le même principe. Ma revanche. Peut-être que je vais bloquer quand même. Peut-être, hein. Mais vraiment. C'est vraiment cool The Operator, encore un grand merci à Cartapus qui me l'a offert. Moi je pense que j'ai profité de finir un peu plus tôt pour bien faire les annonces du mois que j'ai pas pu faire hier. Mettre à jour le top, les VIP, tout ça.
J'ai déjà mis à jour mes wishlists Amazon et Steam. Je suis plus seul. Et le jeu Top Cup annoncé, la loterie envoyée à HNEX. Ah, les petits trucs de dernière minute, quoi. Quand même préparer les rediffs pour The Operator, mais je pense que j'aurais pas le temps de tout envoyer. Enfin, le temps que ça s'envoie sur YouTube et tout, je vous les mettrai petit à petit plutôt. Et si vous voulez vraiment les voir pendant que je suis en vacances, ça sera sur Twitch dans tous les cas. Il n'y a pas besoin d'être sub pour voir mes rediffs. En tout cas, sur YouTube, vous êtes quoi regarder si jamais, voilà, pendant la semaine, vous manque trop. Et si jamais vous y pensez, vous avez une seconde par jour, vous pouvez soutenir la chaîne. Le petit clic chez mes partenaires Instant et Amazon. Vous avez les liens sous mon stream, vous avez les liens sur le Discord. Ça aide. Ça aide pour mes stats partenariat et du coup, de rester partenaire. Voilà. Si vous y pensez, hein, je comprendrais que vous y pensez pas. Et votre coquette tous les jours. Ah ouais, si seulement. Ah putain, la fin. Mais je me demande vraiment s'il y a une autre fin. Je suis vraiment pas sûre. Ah, il y a quand même, il y aura peut-être un peu de différence parce que... Parce que il y en a une, si on arrive à désamorcer la bombe, qui sera peut-être en vie, mais ça se trouve, elle se fait tuer quand même après. Tu sais, genre, tu la sauves de la bombe, mais elle se fait tuer. En tout cas, s'il y a d'autres manières, c'est pas s'il y a un autre truc, c'est pas du tout signalé dans les succès. Ah là là. Ça va pas trop chaud. Ça fait combien là? Ah, ils annoncent 33. Ouais, ils disent 25 à l'ombre d'or, mais bon. Chez moi, il fait bien 30 là. Tout à l'heure, quand j'étais à la fenêtre, je trouvais pas qu'il y avait beaucoup de différence de température. Par contre, pas eu de pluie, hein. Ou alors elle a duré tellement pas longtemps que je l'ai pas vue. Mais un grand merci à ceux qui ont été là aujourd'hui pour le dernier stream avant mes vacances. Et puis ouais, ça va me faire bizarre de pas vous voir une semaine. Bon, après je serai sur le Discord et Insta si jamais. Je serai quand même là à vous embêter. Toujours. Mais ouais. Au moins, on aura Tomba et The Operator à mon retour. On aura le coloriage à finir. Il y aura First en espérant qu'il fasse moins chaud. En fait, First, j'ai trop envie de jouer, mais il fait trop chaud. Ah d'ailleurs, Tomba, il sera aussi sur PS5, Red, je viens de voir. Switch aussi. Si jamais t'avais envie de retomber en enfance. Mais c'est un jeu de 97, hein, donc ça va vraiment être du rétro. Ça va vraiment être du rétro. Du coup, on se dit à dans une semaine. Et puis, on va croiser les doigts que j'ai plus de chance durant le mois d'août. Hein. J'espère que vous aussi, parce que je crois que je suis pas la seule à avoir que des couilles au mois de juillet. On va espérer. Du coup, je vous dis, dans une semaine, vous allez me manquer. Hein.
Vous avez manqué. Ça fait du bien les vacances quand même, de se déconnecter un peu de tout, mais... Vous avez manqué. J'ai toujours du mal à couper le dernier stream avant les vacances. Je suis trop une chips émotionnelle. En tout cas, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, et puis rejoignez le Discord, hein. Si vous voulez qu'on discute, continue de discuter un peu tous les jours. Puis je vous mettrai des petites photos de mes vacances sur Discord ou sur Insta. Souvent, je mets plus sur Insta pour pas spam le Discord. Insta, c'est plus perso et art. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre dessus. Twitter, je mets pas trop dessus, par exemple, parce que c'est trop, il y a trop de haters, donc c'est plus les plannings. Facebook, ça va, mais c'est assez fermé, Facebook. Enfin, a pas vraiment de visibilité. C'est plutôt sur Insta que je mets. Prenez soin de vous, mes petits chocobos. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour le raid de Diablo et merci pour les follow. Prenez soin de vous. À samedi prochain, normalement. Normalement, samedi prochain. S'il y a un changement, je ferai peut-être un stream. Un stream. Pas prévu comme ça à l'arrache. Si jamais il y a un petit changement, mais normalement, ce sera samedi. Des bisous. Yeah.